Salut tout le monde, c'est Alex Empire, j'espère que vous allez très bien, moi ça super. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Roi Magique. Salut. Et on se retrouve, alors une vidéo, on va parler de plusieurs choses. Alors on va parler tout d'abord du tout ou tout justement, parce que c'est avec lui que je fais le premier tout ou tout cette semaine. Et on va dire le point pillage, bon, j'ai pris un net avantage avec les samouraïs et là où je suis, mais c'est pas possible qu'il me rattrape non plus. En même temps, on va parler des samouraïs actuellement, où est-ce que j'en suis. On va parler également du concours de noblesse qui se finit parce que je suis encore bien classé. Et on va également parler du festival du Roi Lotus, vous montrer où est-ce que j'en suis également. Alors voilà, alors déjà, tout simplement pour vous montrer où est-ce que j'en suis niveau des samouraïs, j'ai réussi à me maintenir 14e, voilà, donc c'est franchement pas mal. J'ai fait plus de 20 000 jetons. Là, je vais acheter un petit objet décoratif que je vais remettre dans mon avant-poste. Voilà, 3 points en plus. Niveau du concours de noblesse, je suis 11e. Voilà, il reste 12 secondes avant la fin. Et j'aurai 60 lancières et 60 berserkers. Donc franchement, c'est pas mal. Et niveau du festival du Roi Lotus, voilà, j'ai bientôt fini l'event. Voilà. 2 points en plus. J'ai réussi le top 100. C'est bon. C'était facile. Non, je sais. C'était assez facile parce que j'ai gagné beaucoup de soldats justement avec le rush que j'ai fait sur les samouraïs. Mais bon, voilà. Alors maintenant, on va passer un peu au tout ou tout. Voilà. Résultat. Alors le tout ou tout pour vous montrer le pillage, où est-ce que j'en suis moi? Alors je suis tout simplement à 14 500 000. Alors que Roi Magique, toi tu es à... Je suis à 8 818 000. Voilà. Donc il y a à peu près 6 millions d'écart, sachant que on n'est que mercredi aujourd'hui. On a jusqu'à dimanche à peu près début de soirée pour faire le pillage. Parce qu'après il faudra que je fasse la vidéo des résultats, etc. Et du coup, 6 millions, c'est pas non plus impossible à rattraper, mais c'est vrai que c'est pas non plus facile si on n'a pas trop le temps de se connecter. Parce que moi j'ai l'avantage, c'est que je suis déjà en vacances parce que bah, avec les périodes du bac, bah moi je viens pas. Mais bon. C'est vrai que c'est un peu dommage pour toi. Ouais. De toute façon, tu pourras, je pense, te rattraper parce que c'est le premier épisode du tout ou tout. Tu pourras peut-être être resélectionné un autre jour, enfin une autre semaine, peut-être dans un mois, je sais pas, bientôt. Et puis bah tu pourras reprendre ta revanche parce que tu pourras te connecter plus souvent que moi aussi, peut-être. Ouais, j'espère, parce que là... Mais bon, là c'est pas perdu, c'est pas perdu. Donc, alors là, comme d'habitude, hein, je continue à taper les petits samouraïs. Là, on change pas les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes. Alors là, j'ai trois attaques qui sont en cours. Je vais voir si je peux pas lancer une quatrième. Voilà, j'ai le troisième litance qui est là. Alors, je vais pas attaquer avec les lancières parce que je préfère les garder, franchement, parce que c'est, on va dire, des soldats quand même qui restent quand même vraiment bons. Et j'ai pas à les utiliser maintenant. Pas pour des samouraïs. Donc, en plus, j'en ai pas souvent, donc je préfère les garder pour le moment. J'en ai jamais eu. Moi, j'en ai déjà eu bah, une fois avec le résultat du concours de noblesse. Sur où il faut aller forger des équipements, justement, j'avais réussi à le top 100. Et justement, bah, j'avais eu 60 lancières et 60 berserkers également. Hop, 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 et hop. Voilà, je continue toujours à lancer. Donc, les petites taxes. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai dépassé aussi les 400 000 points de puissance. Donc, franchement, je trouve aussi que c'est pas mal ça. Hier, quand j'ai commencé avec Samouraï, je devais être à 320 000, je crois, de points de puissance. Et j'en ai gagné même. Peut-être 350 000 aussi, je sais plus. Mais bon, bref, j'en ai gagné franchement pas mal, juste avec les décorations, en ayant eu tous les soldats que j'ai gagnés, toutes les récompenses qu'il y a eu, ça fait beaucoup. Alors, niveau des samouraïs, est-ce que je suis toujours 14e? Non, je suis repassé 15e. Oh là là. Bon, de toute façon, le haut du classement, c'est vrai que c'est quand même très 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 dur à rester dans le haut. Là, je suis dans l'avant-poste. Hop. Enlever un jardin. Remettre une fontaine. Des points de puissance en plus. Attaque victoire sur les samouraïs. On va mettre directement des passe-temps.
Voilà. Alors pour retourner dans l'avant-poste, maintenant je continue un peu à soigner de partout. Parce que bah, j'ai perdu pas mal de soldats quand même. Parce que quand on fait à peu près 30-40 pertes par attaque et qu'on fait énormément d'attaques, j'ai pas compté le nombre d'attaques que j'ai fait, mais j'en ai fait des centaines et des centaines. Voilà, les pertes au fur et à mesure, ça s'accumule et ça fait beaucoup. Alors je crois qu'il y a un nouveau concours de noblesse qui va arriver dans 1 minute. Je vais regarder le concours de noblesse que c'est. Et il y a un concours de noblesse que j'aimerais bien qui arrive bah, cette fois-ci. Ce serait juste collecter les engins genre d'assaut ou de défense. Parce que bah, je vais m'acheter pas mal d'engins justement dans un de mes avant-postes. Parce que bah, les engins commencent un peu à manquer, on va dire, avec tout ce que j'utilise. Et du coup, ce serait bien comme ça, je viserais pourquoi pas à nouveau le top 100. Alors en même temps, ce que je vais faire dans cette attaque-là, c'est que je vais regarder de où est-ce que j'ai le plus de tirelire. Mais je vais faire une attaque avec le maximum de tirelire possible. Et on va voir combien de pièces je vais gagner. Quand je parle de tirelire, c'est que les tirelires samouraïs, c'est pas des grosses tirelires dorées. Donc voilà. Alors là, c'est juste des tours du culte à battre. Donc moi, ce que je vais faire direct, c'est directement aller dans les pics du feu, attaquer une tour du culte. Ça va faire quelques points. Celui qui est premier, en plus, il gagne à nouveau des lanciers et berserkers. Bon, de toute façon, je ne vais pas en faire énormément des attaques dessus. Mais bon, c'est toujours quelques petites attaques qui peuvent faire gagner quelques petites récompenses. Donc voilà, alors là, hop, 14, 14, et voilà. Donc je lance l'attaque, bon, je visais 2 rubis, tiens, pour la mission quotidienne, si je l'ai pas faite, bon, j'ai déjà fait, c'est pas grave. Du coup, toi, tu as combien pour les samouraïs, toi? Moi, je suis à 9586, puis je suis 148e. Ça va, c'est pas non plus dégueulasse comme score, c'est pas mal, ça c'est correct. Bon, là je vais lancer l'attaque sur les samouraïs avec le maximum de tirelire possible. Donc je vais attaquer sur les 4 vagues, parce que si j'attaque pas sur les 4 vagues, bah, je pourrais pas lancer. Je pourrais mettre d'engin sur des vagues où il n'y a pas de soldats. Et puis en même temps, le fait d'attaquer avec les tirelires, justement, bah, vous permettra bah, du coup de gagner plus de pièces. Donc si vous ne savez pas comment faire pour gagner beaucoup de pièces, bah, tout simplement avec les ressources que vous avez en trop, vous allez dans l'armurier samouraï et puis vous pourrez vous acheter les tirelires qui suffiront pour les samouraïs. Alors là, j'en ai 557 parce que j'en ai déjà économisé depuis très longtemps. Alors malheureusement l'attaque je pourrais pas la lancer parce qu'il y a une autre attaque qui vient d'arriver à l'instant même. Donc voilà, hop, là je vais la re-relancer. Donc c'est pas très grave, hein, ça va juste perdre 2 minutes. Voilà, là tiens, j'utilisais des engins samouraï. Parce que j'en ai encore pas mal. Donc là, on va utiliser juste 3 et puis le reste, on va mettre que des tirelires. Alors là, on va mettre juste hop, les soldats à mêlée ici. Et puis, je pense que juste avec 100 tirelires, déjà, je suis presque sûr de faire plus de 100 000 pièces en une attaque. Je suis pas certain, certain, mais je pense que je peux faire vraiment pas mal au niveau des pièces. Toi, tu penses que je vais faire combien de pièces avec 430, non, 430, non, 427 tirelire samouraï? 427, bah déjà je vois le pourcentage de pièces. Le Tu le connais pourcent, toi? je crois que c'est 1%. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est 1%. Je vais te dire ça. Ouais, c'est 1% sur les pièces pillées en plus.
Bah, tu peux faire, je sais pas, 120 000 scans. Un truc comme ça. On va voir qui c'est qui est le plus proche. Moi je dis plus 100 000, toi tu dis plus 120 000, donc du coup, on verra. Alors, récompense du concours. J'ai eu 3 points. Ouais, donc c'est bizarre, je suis dans le top 100. Je suis 30e. C'est normal, c'est juste de commencer. Bon, ça fait gagner 500 charbons. Roue de la fortune. Ah, je pense que. De toute façon, il y aura bientôt une vidéo dessus. Je pense que je la sortirai peut-être aujourd'hui. Voilà, je vais juste regarder ce que je gagne là. Bon, je gagne un peu de pierre, bon, ça c'est pas grave. Mais je pense que je ferai une vidéo dessus. Parce que, bah, j'ai, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup, beaucoup de tickets. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne parce que bah, une vidéo sur Roue la Fortune sortira aujourd'hui. Hop. Donc, toujours les passe-temps. Tour du cul, j'avais fait 36 rubis, donc ça c'est pas mal. Je voulais faire. Ah oui, je voulais améliorer ma salle des légendes d'un niveau encore. Et voilà, en 2 jours quand même, je l'ai amélioré de 5 ou 6 niveaux, je crois. Donc, c'est quand même pas mal en une journée. Enfin, ouais, en une journée, donc. Là, il manque un peu de toutes les ressources, bon, c'est pas très grave. L'émission qu'il y a. Je vais juste prendre cette mission-là parce qu'il y a des passe-temps, c'est tout. Après, ça va faire 50 soldats en plus, mais bon. Il y a des passe-temps, donc c'est plus important. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai eu toutes les récompenses. Il ne me manque plus que le héros à avoir. Le héros, voilà, il manque 50 points. C'est quand même beaucoup, donc voilà, ça va être un peu compliqué. Enfin, ça va être facile à avoir parce qu'il voilà, il reste encore beaucoup de temps. Il reste plus de 2 semaines, donc ça va être facile. Mais je pense déjà largement le finir aujourd'hui. Du coup, là, j'ai passé au-dessus des 21 000 points samouraï. Je suis toujours 15e, voilà, je suis redescendu d'une place. J'attends que l'attaque arrive. En attendant, je vais re-relancer l'attaque de mes avant-postes. Toi, sur les samouraïs, tu attaques par combien à peu près? Par 4. Ok. C'est pas mal par 4. Moi j'ai 6 commandants. Bon, j'en ai un, on va dire, qui est pas très très bon parce que j'ai que 80 distance. Et j'ai très peu avec la protection du mur. C'est rien. C'est une petite notification de merde. Hop. Hop. Les béliers. Et puis on remet des petits coffres. Voilà, donc l'attaque sur les samouraïs arrive dans 40 secondes. On va voir qui de nous deux aura été le plus proche. Et vu qu'on est sur le truc du toutou, tiens, on va faire un petit truc. Si c'est toi qui as gagné, je te donne un cadeau, tiens. Allez. Merci. Et si c'est moi qui suis le plus proche, bah y a rien du tout. toute façon, j'ai plus de cadeaux. Moi j'ai encore plein 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 de cadeaux. Et vu qu'aujourd'hui bah, on est mercredi, il y aura également le loto GGE, bah, il y aura un nouvel épisode. Donc j'ai pas encore tourné la vidéo, donc je sais pas s'il y a un gagnant ou pas. Tiens, il y a 4 mois. Je sais pas, on verra. Je peux pas deviner l'avenir, je suis pas devin, ni divin. Donc l'attaque est arrivée, donc j'utilise le passe-temps direct. Donc attaque victoire et j'ai fait 161 000. Donc c'était toi le plus proche. Ouais. J'ai fait 161 000 juste en utilisant que des tirailleurs samouraïs. Donc comme vous pouvez le voir, vous gagnez quand même pas mal de pièces en plus. Là, c'était sur un niveau 90, donc j'en ai gagné beaucoup. Mais si c'est sur un niveau 40, par exemple, je pense que vous pouvez toujours en gagner, par exemple, 20 000 pièces directes. Ou à peu près par là. Donc je pense que vous pouvez largement attaquer avec les tirelires, ce sera rentable. Donc je vais t'envoyer un cadeau. Je regarde les cadeaux que je vais pouvoir t'envoyer. Vu qu'on est sur le truc des samouraïs, les samouraïs ce serait mieux, non? Ouais. Ok, alors je t'envoie une boîte de jetons. Voilà. Merci bien.
Du coup, bah, je vais relancer une attaque et puis ça va être la fin de la vidéo. Je pense. C'est même pas je pense, c'est je même je suis certain. Voilà. Et puis on va finir là-dessus. Alors je vais vous, enfin je vais aller re-regarder une dernière fois si j'ai changé de place ou non sur les samouraïs. Hop, je lance l'attaque et puis je vais voir. Ah, bon c'est pas grave, c'est qu'une pénurie. Ça arrive à tout le monde. Et du coup, pour les samouraïs, je suis bah, toujours 15e. J'ai passé les 21 000 jetons. Voilà, j'en ai 600, j'en ai presque 700 comme ça, donc c'est pas mal. Donc en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et je laisse Roi Magique dire un mot de la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis abonnez-vous à Alexis Empire. Merci. Et donc, bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!